Eh bien bonjour à tous, c'est Castelix et on se retrouve sur la vidéo, et oui, la vidéo que vous attendez tous, celle de la correction et des gagnants du quiz concours. Et ça je sais que vous l'attendez depuis longtemps, vous m'avez spammé sur Twitter, quand est-ce qu'elle arrive, quand est-ce qu'elle arrive, eh ben elle arrive et elle est là. Donc avant justement de tirer au sort nos petits gagnants, j'ai cette petite liste, et oui, où il y a tous ceux qui ont donné les bonnes réponses, donc il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et donc, du coup, on va aller voir ça tout à l'heure pour voir les trois gagnants. Des 500 platines en troisième position, des 1000 platines en deuxième position et des 1500 en première position. Et oui, et vous avez vu, j'ai une belle petite touffe bleu, blanc, rouge avec mes petites lunettes. Yeah, j'ai la classe. Et oui, c'est pour supporter les petits Français qui vont jouer contre la Suisse. Ouais, ouais. Et ils vont gagner les Français, y a intérêt. Mais juste n'attendez pas les 5 dernières minutes pour marquer 2 buts. Ça sert à rien parce que le jeu il est pourri sinon. On se fait chier pendant tout le match. Vous voyez, j'en tape même mon micro. Donc bref, allez, c'est parti parce qu'on n'est pas là pour parler foot. Mais bon, soutenons-les. Bon, ceci dit, moi je suis pour l'Espagne aussi puisque c'est quand même... j'ai quand même les origines espagnoles. Donc je suis pour l'Espagne également. D'ailleurs, ils ont gagné 3-0 récemment. Et ça, je peux vous dire que j'étais content. J'avais la hype et tout. Ouais. Allez, on va aller faire cette petite correction. Donc, on va commencer par la question numéro 1. Et la question numéro 1, c'était en combinant de la glace avec du feu, que peut-on obtenir? Vous aviez le choix entre du corrosif, du gaz, de la radiation ou de l'explosif. Et effectivement, c'était bien de l'explosif. Donc pour la question numéro 2, et oui, la question numéro 2 c'était d'écouter le son suivant. Vous aviez un son d'un spell, à qui appartient ce pouvoir? Donc là, eh ben, vous aviez le choix entre Nova, Sarin, Mag et Amber. Et effectivement, ce pouvoir, ce son de pouvoir, est le spell numéro 1 de Nova. Et oui, de Nova. On est sur la question numéro 3, et la question numéro 3, de quelle faction viennent les Bursa? Et les Bursa, vous aviez le choix, c'était entre soit les Greeners, les Corpus, les Infestés ou Casimir. Non, déjà, déjà c'est pas Casimir, ça c'est sûr. Ce n'est pas les Greeners non plus, et ce n'est non plus, ce n'est pas non plus les Infestés, effectivement, c'était les Corpus. Allez, question numéro 4. La question numéro 4, c'était quelle est cette arme? Donc vous aviez le choix, enfin vous aviez le choix, non, je vous faisais voir une image d'une arme. Et effectivement, effectivement, vous aviez le choix entre l'Inis, le Gorgon, le Hind et le Harpac. Et effectivement, c'est bien le Hind. Voilà. Du coup, il y en a. Je crois qu'il y en a un, il m'a mis l'Inis. Bon, ouais, l'Inis est quand même un petit peu plus beau. Mais non, c'était bien le Hind. D'ailleurs, j'adore comment je le dis, le Hind. Trop classe. Ensuite, la question numéro 5. La question numéro 5, c'est. Que peut-on trouver comme ressources rares sur la planète Eris? Et là, il y en a beaucoup qui se sont un peu plantés. Parce que, effectivement, on peut trouver plusieurs ressources sur Eris. Mais je vous demande les ressources rares. Donc là, vous aviez le choix entre Neurode, Cellule Rockin, Nanospore et Morphix. Alors déjà, on ne trouve pas de Morphix sur Eris. On trouve encore moins des Cellules Rockin. Et effectivement, on peut trouver des Nanospores et des Neurodes. Mais laquelle est la plus rare entre les deux? Parce qu'il y en a une qui n'est pas rare, et celle qui n'est pas rare, c'est les nanospores. Donc la réponse, c'était la réponse 1, les neurodes. Et oui, fallait faire attention, c'est un peu sournois. Voilà, donc ça c'était pour la question numéro 5. La question numéro 6, qui a fondé le trio des frères Grustag? Vous aviez le choix entre Dr. Tengus, Vaihek, Sargasruk, Captain Vore, aucune des réponses. Et du coup, cette question était pas mal posée, puisque vous aviez Dr. Tengus, il a un rapport avec le trio des frères Grustag, mais celui qui a fondé, celui qui a créé, vraiment celui qui a fondé ça, c'est Vaihek. Et oui, il fallait répondre Vaihek. Il y en a qui m'ont répondu Dr. Tengus, mais quelque part, c'est pas faux. Mais Dr. Tengus, il est là pour justement que le trio, il s'occupe du trio, il ne l'a pas fondé. Voilà, vous voyez, Vaihek lui ordonne de s'occuper de ce trio. Mais c'est Vaihek qui a créé ce trio, voilà. Donc c'était la réponse numéro 2. Ensuite, la question numéro 7. Et oui, la question numéro 7, excusez-moi, petit bug. Donc, quelle est cette Siandana? Et du coup, je vous faisais voir une petite Siandana plutôt belle. D'ailleurs, c'est celle que j'adore dans les 6 syndicats. Peut avoir qui ne sont pas neutres. Donc oui, parce que je vous vois venir déjà.
Celle, la superbe Siandana, celle que j'ai adorée le plus, hormis celle du Conclave, hein, qui est très belle aussi, d'ailleurs, que j'ai hâte d'avoir. Vous aviez plusieurs propositions, donc la Siandana Sinoïde, la Siandana Sekora, la Siandana Sancti et la Siandana Telos. Et effectivement, c'était bien la Siandana Sinoïde, avec un Y. Voilà, donc la question numéro 8. Question numéro 8. Par qui est engagé Maro? Et Maro, vous aviez donc soit Tilregor, soit Lotus, soit Jean-Claude Van Damme. Moi, Jean-Claude Van Damme qui est un peu aware. Aware, pas aware. Et aucune des réponses. Et effectivement, la réponse, c'était la réponse 1. Tilregor. On passe à la question numéro 9. La question numéro 9 qui était... Stalker a la capacité d'utiliser combien de pouvoirs? Alors, effectivement, ça peut être ambigu. C'est pour ça que j'ai rattrapé le coche rapidement sur YouTube en vous disant que c'était le Stalker de l'ombre. Bon, je me suis référé au wiki français pour être sûr de ma réponse. Parce que effectivement, hein, autrement, ça aurait pu être 5 pouvoirs, etc. Donc moi, je me suis référé à ce wiki-là. Donc effectivement, après, ce wiki-là n'est pas tout le temps bon, et pas tout le temps, voilà. C'est une source, c'est une grande source aussi sur Warframe. Mais du coup, ce qui est référencé, comme on peut le voir sur l'image en plus, c'est que Stalker de l'ombre a 7 pouvoirs. Donc c'était bien la réponse numéro 3. Voilà, je voulais enlever toute ambiguïté. C'était bien la réponse numéro 3. Et donc, la question numéro 10, il y a combien de syndicats sur Warframe? Et je vous ai demandé combien de syndicats sur Warframe, parce que c'est sur Warframe, c'est pas juste une catégorie ou autre chose. Donc c'est simple, vous aviez les 6 premiers syndicats, et oui, que vous pouvez voir d'ailleurs sur l'image. Donc nos syndicats, Méridien d'Acier, etc., etc., le Voile Rouge, voilà. Mais fallait pas oublier non plus syndicat Conclave, et le syndicat Simaris. Et oui, puisque ce sont des syndicats neutres, il fallait les compter puisqu'ils font partie de Warframe. Et oui, donc il n'y en a pas 6, il y en a 8. Si on compte vraiment tous les syndicats sur Warframe, il y en a 8. Donc c'était la question numéro 3. Et c'est celle-là aussi où vous avez pas mal bêché parce que vous vous êtes dit, c'est vrai que d'office, si je vous dis combien il y a de syndicats dans Warframe, 6. Mais non, il faut bien réfléchir. Donc du coup, vous vous êtes planté, il y en a beaucoup qui se sont plantés sur celle-ci. J'ai même vu un commentaire, moi j'en vois que 6, sinon, s'il y en a d'autres, ce sont des imaginaires. Mais non, c'est pas des imaginaires, le Simaris et le Conclave sont des syndicats. Allez dire ça à Tenshin, il va être content, lui, qu'on lui dise qu'il est imaginaire, lui il va péter un plomb. Hein. Ou allez dire ça au Céphalon Simaris, il va péter un câble aussi, lui. Hein. Donc voilà, non, sans blague à part, il y en avait 8, et la réponse, c'était la réponse 3, 8, voilà. Et donc, on se retrouve sur ce tirage au sort, et oui. Et là, vous pouvez voir que vous êtes nombreux. Oh, Chantorian, Omega, 25, Zen, Katanox, etc., etc. C'est vrai que vous étiez... Merde. Oh, vous étiez beaucoup, hein, comme je vous donnais la liste tout à l'heure. Frenzy, Yu Amar, Seekers 37, Past Explay, Higuchi, Vauban du 6-9, Pacro qui avait peur, il avait absolument peur, il arrêtait pas de marceler sur Twitter. Est-ce que je suis dedans? Oui, tu es dedans. Ruru, Yaki, y a Cloud, y'a Camul. Il y a Diableur Xplay, il y a Lapin qui est là, Mathieu Bouillon, Yann58, et oui, le petit Yann58, il est toujours là, puisque déjà, il a gagné les 1500 platines au dernier concours. Donc là, vous avez vu, il était malin. Il y a petite Saraza qui est là aussi, Linsei, enfin voilà, il y en a beaucoup. NetUp, Bionix, Bruno, voilà. Bon, je vais pas énumérer tout le monde, parce que là, il y en a beaucoup. Ah, Luvios, regardez, Luvios, il est là, il est content, Luvios. Luvios, tu as réussi. C'est bien. Donc oui. Donc par contre, avant toute chose, le temps qu'on se croise par la suite pour que je puisse vous donner vos récompenses, prévoyez les crédits parce que sinon, notamment pour celui de 1000 et 2500 platines, à mon avis, vous allez souffrir sinon parce qu'il va en falloir beaucoup. Donc faites pas comme Yann. Enfin, Yann le pauvre, il savait pas non plus. Mais c'est pour ça que je vous préviens maintenant parce que effectivement.
Il va falloir du crédit pour l'échange, pour la taxe, et ça risque de vous coûter un peu cher niveau crédit. Bon, vous y gagnez en platine, mais le bémol, c'est vrai que ça coûte beaucoup de crédit. Donc, commencez à farmer dès maintenant, on sait jamais. Donc, et bien écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça, parce que c'est bon, je sais, vous en pouvez plus. Vous êtes à fond, et on va y aller. Donc, on va commencer le tirage au sort pour la troisième place, dès 500 platines, c'est simple. Allez, on y va. 3, 2, 1, pouf! Et c'est Luvios qui gagne 500 platines. Bravo à toi, mon petit Luvios, tu viens de gagner 500 platines. Yeah, bien joué. Donc, on est reparti pour celui qui va gagner en seconde position les 1000 platines. Et les 1000 platines vont être pour 3, 2, 1, pouf! Et c'est Captain Chronos qui vient de gagner 1000 platines. Franchement, bravo à toi. Et là, on va arriver sur le maître des maîtres. Et oui, celui qui a réussi et qui va essayer de gagner ses 1500 platines. Enfin, d'ailleurs, il va pas essayer puisque maintenant, c'est au hasard. Allez, on y va. 3, 2, 1. Wow! Et monsieur Higuchi vient de gagner 1500 platines. Higuchi, respect à toi. Tu viens de gagner le premier prix, le plus gros prix. Et oui, ouah, je suis à fond pour toi. Bravo, tu as réussi. Tu as gagné 1500 platines. Respect. Donc, écoutez les gars, pour ceux qui viennent de gagner, venez vite me voir en privé. Précisez-moi qui est sur PS4 parce que Higuchi, je ne sais pas s'il est sur PC ou sur PS4. Donc, précise-moi vite dans le commentaire si tu es sur PC ou PS4, comme ça sera beaucoup plus facile que je te donne tes gains. Captain Chronos, pareil, et Luvios, exactement la même chose. Venez me voir rapidement, il n'y a pas de problème, je vous donne ça direct. Et oui, direct cash. Allez, eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo quiz concours vous aura plu. J'espère que voilà, vous aurez apprécié vraiment avoir participé à ce petit quiz. Effectivement, il y en aura d'autres. Par contre, c'est vrai, et ça je le reconnais, c'est qu'à mon avis, on va plus redonner les réponses comme ça en commentaire. On va faire autrement. On va faire autrement dans le sens où c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de copier-coller, il y a eu beaucoup de choses. Il y a des gens qui se sont dit, tiens, si lui il a dit ça, ouais, il s'y connaît à peu près. Enfin bref, j'en sais rien, je sais pas comment ça s'est passé. Mais effectivement, c'est pas très fair-play pour les autres. Voilà, donc je pense que je changerai aussi un peu la méthode de réponse. Par contre, le système de faire du quiz, si ça vous plaît toujours autant, laissez-le en commentaire pour la suite. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, des petits concours aussi sympathiques que ça, il n'y a aucun problème. Moi, il n'y a aucun souci. Et puis d'ailleurs, il y aura toujours Petite Nova qui sera là pour présenter. donc voilà, c'était aussi pour vous tenir au courant de ça. Et puis voir un petit peu aussi, parce qu'il faut toujours améliorer et on l'améliore toujours. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais vous dire aussi, pour ceux malheureusement qui n'ont pas gagné, hein, je vois par exemple Logarithm, Holloway, Rubbershot. Voilà, après, malheureusement c'est le jeu, j'ai fait quand même gagner 3 personnes, ce qui est quand même plutôt sympathique, quand même avec au moins un minimum de 500 platines, donc c'est quand même top. Donc rassurez-vous, vous gagnerez la prochaine fois, c'est pas un problème. Donc voilà, il faut toujours des gagnants et des perdants, et ouais, mais bon, la prochaine fois, vous gagnerez peut-être. Allez, bon écoutez, sur ce, on va se retrouver très très vite parce que il y a d'autres vidéos. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo sur Lunaro. Et oui, le handball warframien, et ouais. Donc n'hésitez pas, hein, de toute façon, je suis toujours là. Je serai toujours fidèle avec vous. Et puis vous voyez que moi, je me prends jamais la tête. Non, je me prends les boucles, les petites boucles. Allez, c'était Castilix, ciao ciao.